Salut à tous, c'est Agriculteur du 23. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme on le voit derrière moi, des andins, de l'herbe qui a été fauchée il y a deux jours. Donc là, on est après de faire de l'enrubanage. Donc, c'est une parcelle qui a 3 ans. C'est du raie gras, anglais, dactyle et trèfle blanc. Donc voilà, de l'enrubanage qui sera donné aux laitières. Donc, comme on le voit, les andins sont assez gros. Ça rend pas mal. C'est des bottes de 130 qu'on fait en hauteur, enfin en diamètre, et donc ça fait du 18 bottes hectares à peu près, donc ça rend plutôt très bien. Donc comme on le voit, donc le champ est déjà attaqué, comme on le voit là-bas, il y a mon oncle qui est après d'enrubaner. La presse a eu un léger petit souci de roulement, donc du coup c'est notre voisin qui est venu avec son tracteur pour nous aider à presser ça à temps, parce qu'ils annoncent de la pluie. On est le dimanche et il y a de la pluie menaçante pour le lundi, donc on se dépêche de presser tout ça. Au total, il y en avait 12 hectares à faire. Voilà. Donc, on voit quand même que pour de l'enrubanage, c'est assez sec. On va pas se mentir. Je l'ai endainé tout à l'heure, il y a eu un coup de faneuse. On voit que c'est assez sec. Ça reste quand même vert sur le dessous, comme on le voit là. Ça reste assez vert. Mais sinon, tout ce qui est jusqu'à la moitié de l'andin, c'est bien sec. Bon, sur la surface totale qu'on peut faire en coupe d'herbe, donc comme vous le savez, il y a une grande partie d'ensilage qui sert, donc quand l'ensilage d'herbe est fini, à faire de l'ensilage maïs derrière. Vous savez donc du coup qu'on fait beaucoup de coupes pour botteler, on fait beaucoup d'enrubanage, peu de foin, parce que du coup, comme j'ai dit tout à l'heure avec l'atelier des laitières, on a plus souvent besoin d'enrubanage pour tout ce qui est l'alimentation des laitières, pour optimiser la production du lait, pour optimiser plein de choses. On fait très peu de foin, c'est beaucoup plus d'enrubanage. Voilà. Donc comme on le voit derrière, le voisin qui a peut-être pressé. Première fois que j'ai un ensemble Kubota dans mes champs, alors bon. Elle va pas si mal, ça presse, les presses Kubota, elles vont pas si mal. Ils pressent plus vite que nous, en différence. Avec la classe, comment expliquer ça, on voit qu'au niveau de la vitesse, il gagne plus que nous, il va plus vite. Quand on voit qu'on attaque un chantier en même temps, c'est... il va beaucoup plus vite. Est-ce que c'est la conception des presses qui peut changer ça, ou simplement la... je sais pas qu'est-ce que ça peut être, mais ouais, Kubota il presse plus vite que nous, donc bon, c'est un bon point quoi. C'est comme on le voit derrière, il file pas mal. Voilà. Et puis du coup là-bas mon oncle qui après de les enrubaner. Cette année, on a acheté du film blanc et vert un peu foncé. D'habitude, on achetait du noir ou même du blanc, ça arrivait. On était plutôt des couleurs assez simples qui se vendaient beaucoup. Et là, cette année, le père, il a un peu changé. Il a acheté du vert un peu et puis il est resté sur le blanc. Alors là, on va se retrouver à côté d'une botte, là. Donc... ouais, comme on le voit, le noyau assez serré. Et puis, au niveau du filet, toujours la possibilité de passer la main entre le filet et puis la botte. Quoi. Et puis, bon, bah, du coup, des bottes assez serrées, qui ont pas mauvaise mine, qui se portent plutôt très bien. Ça aussi, c'est bien, comme ça. Voilà, on voit qu'elles sont lourdes, hein, c'est plutôt bien, ça aussi, ça veut dire qu'il y a... il y a de la matière. Parce que l'herbe, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est un peu humide dans le dessous du rang, mais sinon en soi elle est assez sèche. Voilà. Je vous ferai une petite vidéo quand on ramassera les bottes avec le plateau. Et puis voilà, ce sera bien. Après les bottes enrubanées. Bon, c'est pas... elles ont la bâche après, donc c'est le début de la conservation.
Donc là, on en retrouve une qui a été enrubannée, une du premier tour. Je demanderai à mon oncle combien il fait de tours. Je ne sais plus exactement de tours pour bien qu'elle soit bâchée, quoi. Comme on le voit, elles tiennent debout. C'est bien ça. Tout ça, ça sera rentré, mis en meule, prête à servir pour la ration des litières. Et puis voilà. Bon, je vous fais quelques images du matériel, mais sinon, voilà, c'était une petite vidéo pour vous décrire le chantier, ce qui se passait un peu. Et puis voilà. Des belles bottes. Là, ça va pas rigoler. Bon. Allez, je vous fais quelques images. Bon visionnage. Voilà, comme on le voit derrière moi, donc l'enrubanneuse, c'est une Tarup Verneyland. Donc devant, on met le petit 430. Il suffit hydrauliquement pour faire tourner assez vite l'enrubanneuse. Donc le film enrubanage, c'est du Serbal, cette couche. On en fait 21 tours. Donc voilà, une vidéo un peu où je montre ce qui se passe sur la ferme. Donc aujourd'hui, c'était petite journée enrubanage. Donc voilà, faucher un peu l'herbe. C'est avec les périodes de pluie, là, les petits épisodes de pluie qu'on a eu, ça avait poussé pas mal. C'est plutôt bien. Donc voilà, petite vidéo, sympa. Je vous ai expliqué quelques trucs. Et puis, vous avez vu un peu de matériel. Voilà, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu te plaît, partage à tes amis. Abonne-toi surtout, c'est ce qui permet de me soutenir. C'est gratuit, tu peux t'abonner. Abonne-toi, fais-le. Voilà. Il n'y a pas d'excuse, abonne-toi. Voilà. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu te plaît, partage à tes amis, mets un petit pouce bleu, ça aussi ça me fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, salut, à très vite.